Je remercie la Fondation de m'avoir invité de parler de notre Thérèse Bigras nationale. En fait, quand on m'a demandé, je me suis dit comment je pourrais la représenter ou comment je pourrais la décrire en si peu de temps. Et une des choses qui m'est venue, je pourrais faire comme chez les scouts. Vous savez, on a tous un totem chez les scouts, puis j'ai pensé à Castor têtu. Oups, là, je me suis dit non, c'est pas flatteur, dans le fond. J'ai dit, c'était un petit peu insultant pour les castors de l'annonce de Bell Canada, donc j'ai décidé de changer. À ce moment-là, ce qui s'est imposé à moi, je pense, qui décrit mieux Thérèse Bigras, c'est Pitbull jovialiste. Mais je m'explique. Oui, Thérèse, faut que je m'explique. Je te dirais, en fait, ça a commencé en 48. Non, je pense 49. Non, pour vrai, 93. En fait, mon premier contact avec Thérèse Bigras, je pense, ça a été déterminant et a marqué un petit peu toute l'évolution de notre expérience commune qu'on a vécue en prévention des infections. C'était au moment où, aux soins intensifs, il y avait une éclosion d'Acinetobacter baumannii, qui est une bactérie qui créait beaucoup de problèmes à l'époque et qui avait des impacts sur nos patients aux soins intensifs. Et Thérèse, à ce moment-là, commençait et avec toute la fougue qu'on lui connaît, a pris en main ce dossier-là, s'est mis à chercher, a fait toutes sortes de choses incroyables, comme convaincre un ingénieur du génie biomédical de démonter son respirateur. Faut le faire. Et on a fait toutes sortes de montages abracadabrants des enquêtes pour se rendre compte, après plusieurs semaines, qu'on avait fait chou blanc complètement. On n'avait pas trouvé. Et plutôt que de se décourager, elle s'est retroussée les manches, elle a dit « Bon, on recommence. » Puis elle a recommencé et elle a fini par observer pendant une semaine, pour finalement trouver, en regardant les gens travailler, en leur posant des questions, en étant présente sur le terrain, que c'était juste un petit capteur thermique qui était tout simplement implanté au niveau d'un circuit respiratoire qui créait tout le problème. Et j'avoue qu'elle a vraiment, pour moi, marqué un petit peu cette espèce de détermination qu'on lui connaît. Et par la suite, ça s'est jamais, comme on dit, baisser en tant que tel en termes d'énergie. Et en fait, l'image qui me vient souvent de Thérèse Bigras, c'est un petit peu comme une espèce de grand timonier qui est à la barre de son grand voilier sur grande roue et qui est capable de passer au travers de tempêtes malgré tout et de toujours rester de bonne humeur puis d'être capable de nous entraîner dans cette aventure-là, de pouvoir être capable de régler les choses. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très marquant chez elle, puisque Sacré-Cœur, historiquement, avait été comme identifié par la santé publique comme étant un hôpital pratiquement perdu parce qu'il était trop vétuste. Mais malgré tout ça, une des réalisations que je trouverais extraordinaire, c'est que l'équipe de prévention a réussi, avec Thérèse Bigras, de faire en sorte qu'un hôpital étant le plus à risque devienne parmi les mieux gérés par rapport au Clostridium difficile. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Et je pense que l'autre chose aussi qui me frappe avec Thérèse Bigras, c'est cette capacité-là de communiquer avec les gens et de pouvoir les embarquer. Parce qu'une chose que Thérèse Bigras fait bien, c'est que si elle décide quelque chose, elle va réussir à convaincre les gens à le faire, mais d'une façon que je dirais ferme, mais tout à fait correcte et respectueuse. Et je pense que ce qui m'apparaît, ce qui fait sa force, c'est qu'il y a un objectif dans son travail qui a toujours été constant au fil des années, c'est qu'elle a toujours à cœur le bien des patients et le bien des travailleurs qui travaillent dans l'hôpital. Et pour ça, bravo, bravo Thérèse. OK. Moi, je propose une chose. Bravo, bravo Thérèse. Thérèse, on est fiers d'être dans ton équipe. Ça n'a pas marché. Bravo Thérèse, on est fiers de travailler dans ton équipe. De travailler dans ton équipe? D'être dans ton équipe. D'être dans ton équipe? D'accord. Bravo Thérèse, on est fiers d'être dans ton équipe. Je pense que c'est bon, ça. Ouais.